Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. Bienvenue dans ce 51e épisode de cette série de vidéos. Testez-vous. Le principe est simple. Je vous montre une position, où vous devez trouver le bon coup. Puis je montre la réponse et on termine par un. Que retenir Il s'agit principalement de stratégie, car c'est un domaine plus difficile à travailler que la tactique, mais il peut y avoir aussi de temps en temps des tactiques et des finales. Évidemment, vous ne saurez pas à l'avance si c'est plutôt de la stratégie ou de la tactique, comme dans une vraie partie, ce qui vous permettra de vous tester. J'avais publié 50 épisodes de cette série entre janvier et juin 2022. Ils sont de retour en ce mois de janvier 2023. Il s'agit de mon format court, si vous voulez des formats longs. Vous avez à peu près toutes les autres vidéos de la chaîne, en particulier les parties d'amateurs et les conseils de la semaine. Si ce format vous est utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à soutenir la chaîne en rejoignant les tipeurs. Et nous, on y va. Alors, c'est une partie qui a été jouée en 1950 à Amsterdam avec les pièces blanches. L'ancien champion du monde, Max. Je prononce à la française, on va dire. C'est pas facile à la hollandaise. Le joueur qui avait fait chuter Alexander Alekin à euh, la surprise un peu générale dans les années 1930 et un joueur qui a marqué l'histoire des échecs au XXe siècle. Avec les pièces noires, un joueur beaucoup moins connu, c'est Herman Pilnik, un joueur argentin. Voici une photo de Cor. Euh, C'était en 1963 aux Pays-Bas également, et c'est une photo que j'ai trouvée sur le Twitter de Douglas Griffin qui publie toujours des photos historiques très sympas. Voilà pour le décor. Cette partie a été commencée par Max Eve. Je vais vous montrer les premiers coups avant d'atteindre la position de test, la position pour vous tester donc D4, cavalier F6, C4 G6, G3 de la part de Max euf fou G7, fou G2 et D5 donc Hermann Pelnik qui envoie une Grunfeld ici euh, si on joue D6 avec les noirs ça va être plutôt une est indienne donc D5 a été joué puis on prend, cavalier prend et les blancs s'emparent du centre avec E4, cavalier B6 Attention, le pion D4 est attaqué deux fois. Les blancs le protègent avec Cavalier E2 plutôt que Cavalier F3 qui s'exposerait au clouage g 4 un peu désagréable. Cavalier E2, comme ça sur g 4 on peut jouer tranquillement. F3. Très important de noter que les blancs se sont emparés du centre en mettant deux pions et les noirs ne peuvent pas rester les bras croisés. Ils doivent attaquer ce centre et c'est ce qu'a fait immédiatement Pénique avec C5 qui s'en prend au pion, en cas de pion prend, c5, il y aurait échange des dames suivi de cavalier a4 qui attaquerait en même temps le pion c5 et le pion b2 avec l'aide du fou de Grunfeld. Donc il y a eu la poussée des 5 petit roc, petit roc, pion e6, il continue à s'en prendre au pion d5, l'adversaire consolide avec cavalier prend, la position de test arrive bientôt, cavalier a6 a été joué, cavalier f4, et il a choisi E5 ici, qui a plusieurs conséquences. La première, c'est de laisser un pion passer pour les blancs ici protégés en T5. La deuxième, c'est de bloquer le fou euh, G7 avec ce pion. Et ça ferme aussi le centre. Donc pas mal de conséquences importantes par ce coup. Juste après, on regardera ce qui serait passé sur pion point D5. Les deux coups sont théoriques. Hein. Donc E5 et après cavalier e2 qui a été joué par max e, on arrive à la position de test. Donc la question pour vous et je vous donnerai un indice après qui pourra peut-être vous aiguiller si vous n'avez pas trouvé sans indice mais tout d'abord essayez sans que jouer avec les noirs, je vous invite à mettre la pause pour vous faire une idée. Alors je bois pour vous laisser le temps de mettre la pause si vous avez été surpris par le timing, Bien, je vous ai prévenu. Et maintenant, si vous étiez dans le brouillard, je vous donne un indice. Donc, petit indice. Pion passé D5. Je l'ai cité juste avant. C'est l'indice. Vous pouvez remettre la pause si vous avez besoin. Et nous, on y va. Donc, ce pion passé, c'est un des éléments stratégiques les plus importants de cette position. Les blancs sont à trois cases de transformer en dame. Évidemment, pour l'instant, il n'est pas réaliste de le pousser comme ça avec les blancs et de faire une dame. Par contre, il peut occuper euh, les pièces noires et il peut embêter les pièces noires. Donc, euh, c'est un élément important. C'est pourquoi la réponse attendue était de jouer Cavalier C4. Pour venir le bloquer en D6, la case de blocage et le cavalier, c'est la meilleure pièce pour bloquer des pions passés en milieu de jeu. Ça peut être pas mal aussi en finale, mais en milieu de jeu, c'est plus... Spécifiquement adapté, car même s'il y a encore beaucoup de pions sur l'échiquier, le cavalier n'est pas tellement dérangé, car il passe par-dessus, et donc il peut avoir une influence tout en bloquant le pion passé de l'adversaire. C'est une des règles qu'on donne très souvent, c'est une très bonne règle. Donc, si vous avez joué autre chose, euh, par exemple F5, qui est un coup complètement naturel, parce que vous avancez ici, vous êtes bien protégé, vous en prenez un pion strat de l'adversaire, euh, ce n'est pas très adapté. Si malheureusement, ce qui peut avancer des 6 vous n'avez pas bloqué le pion passé, on dit que les pions passés sont faits pour être poussés alors bien sûr il faut pas les pousser de manière inconsidérée au risque de les perdre mais regardez là ça va être très intéressant parce que il va ou créer la case D5 pour son cavalier et puis il va créer des idées d'ouvrir pour son fou en prenant, exemple, si on joue fou E6 qui a l'air hyper naturel sur la Diago, il peut y avoir pion prend F5 et soudainement on regrette d'avoir fait F5 parce qu'il va prendre sur B7 et attaquer la tour et le cavalier en même temps. C'est assez terrible. Donc F5, pas adapté. Euh, si vous avez mis la dame en bloqueuse... C'est pas adapté non plus parce qu'elle va se faire facilement attaquer cette dame euh, par ici. Euh, donc la dame n'est pas une bonne bloqueuse aux échecs. On n'a jamais entendu la dame est une bonne bloqueuse. Par contre, le cavalier est un bon bloqueur. Ça, on l'a entendu souvent. Et donc la plupart des joueurs, en fait 99% des joueurs qui ont eu cette position euh, dans la base de données, ont lancé cavalier C4 pour euh, venir bloquer en D6. C'est ce qu'a joué Arman Pénic ici. Après B3, il y a eu cavalier D6 très bon bloqueur le cavalier donc empêche complètement le pion d'avancer et puis il peut soutenir la poussée F5 bon qui n'avait pas spécialement besoin de soutien mais maintenant c'est encore mieux qu'avant et il peut soutenir la majorité elle dame à trois pions contre deux ici par exemple il peut lancer du B5 C4 le cavalier qui et la meilleure pièce de l'échiquier dans cette position. Je voulais revenir sur. Après, je vais vous montre la suite de la partie qui est très sympa, mais je vous la montrerai rapidement. Mais regardez ici, a, il y a eu e5. S'il y avait eu pion prend, imaginons la suite. Cavalier prend. avec Un beau cavalier central pour les blancs. Cavalier b4. Les noirs qui essaient de se débarrasser du cavalier adverse. Fou e3 développe. Cavalier prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Pion prend. Il n'y a plus de cavalier. Donc ça va être beaucoup plus facile pour les blancs d'avancer ce pion. Notez aussi qu'il y a l'attaque ici. Donc imaginons B6, D6 attaque la tour. La tour doit bouger et peut-être un coup comme dame D2 et une tour qui va venir en D1 pour soutenir ce pion passé. C'est un peu désagréable à jouer côté noir. Voilà, il n'y a plus de cavalier pour bloquer, c'est embêtant. Voilà, je vais vous montrer la différence. Maintenant, je vais vous montrer deux positions sympas de la partie. Donc je vous fais défiler euh, très vite, hein. vous pourrez la reprendre tranquillement, c'est très bonne partie. Juste euh, pour vous montrer ce qui s'est passé. Il y a eu ça. Je vais vous montrer ce premier diagramme où le Cavalier D6 est toujours en solide bloqueur du pion. Donc les pions sont tous les deux bloqués maintenant. Un par le Cavalier, un par la Dame. La Dame Noire qui est très dure à enlever de là pour les blancs. Ils auraient pu tenter d'ailleurs le plan Roi H1 avec l'idée Cavalier G1 KLF3. Ça aurait été intéressant pour essayer débloquer les pions. Il a joué Cavalier G3, Max Heuve. Et euh, bah, vous vous rendez compte que les deux cavaliers sont tous les deux à deux cases en diagonale de la dame, donc ils sont très loin de pouvoir l'enlever de là. C'était le premier diagramme que je voulais vous montrer. Euh, et après euh, cette suite de coups, il aurait pu faire cavalier F7 avec l'idée de reculer sa dame et mettre ses deux cavaliers en bloqueur. C'est la situation qu'il va réussir à atteindre un peu plus tard. Je voulais vous la montrer. Il y a eu un échange ici. Et voilà, au 37e coup, Herman Pilnier qui a réussi à avoir la situation de rêve du joueur d'échecs c'est-à-dire deux cavaliers qui bloquent les deux pions passés, qui eux-mêmes bloquent le fou de case blanche. C'est assez désagréable. C'est magnifique. Il a bloqué les deux pions passés de l'adversaire. En plus, pour la finale, il a réussi à amener son roi par cette route sur les cases noires. C'est une partie modèle, il a gagné en 77 coups, il est venu à bout de l'ancien champion du monde et cette partie est à montrer dans toutes les écoles d'échecs. Deux positions bonus pour finir. Issu de la partie du jour Chess Games du 3 janvier 2023, Cochrane, John Cochrane, ce fort joueur écossais qui avait inventé le Gambit Cochrane contre la Petroff. Dès que j'ai vu cette position, je me suis dit, est-ce que les noirs avaient les blancs en Cochrane Donc il y a deux pions, c'est désagréable. Et je me suis dit bah faut que les noirs jouent ça absolument, cavalier en bloqueur, et ça va commencer à aller beaucoup mieux pour les noirs. Cependant, malheureusement, il n'y a pas le temps. Après cavalier là, il va tout de suite venir attaquer le pion. On ne peut pas faire tour là, sinon on perd l'autre pion. Et en plus, on perd la qualité dans la foule et c'est horrible. On peut se venger sur le pion B3, mais euh, ouais, il va prendre plutôt du fou pour attaquer la tour. La tour va devoir bouger. Il va faire, par exemple, tour FB1. La dame va devoir bouger et va faire tour B6. Là, c'est horrible. On n'a pas réussi à installer le cavalier en bloqueur. Donc, il n'y a rien qui va dans les positions des noirs. Le fou est coincé. La dame est toute seule là-bas, vulnérable. C'est la superposition pour les blancs. Mais si cette position, on la modifie très légèrement en décalant le pion en B6 en particulier et la dame en C7, je vous montre. Voilà, c'est la seule différence. Et bien soudainement, Cavalude, ça devient beaucoup plus efficace. On n'a pas de, des pions faibles. Et on va venir en D6. On va pouvoir soutenir peut-être la poussée de la majorité 2 contre 1, peut-être soutenir la poussée F5 un jour. Et soudainement, la position des noirs se tient déjà beaucoup plus, même si c'est encore un petit avantage. Pour les blancs, on passe au A retenir. Donc, euh, deux points pour se retenir. Tout d'abord, le cavalier est un bloqueur idéal de pions passé, en particulier en milieu de jeu. Et le deuxième point, c'est que le blocage ou le déblocage, alors selon de quel point de vue on se place, euh, c'est un grand enjeu aux échecs, évidemment, pour les deux camps. Donc, il y a un combat féroce en général pour le blocage ou le déblocage du pion. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans cette partie. œuf brillamment remporté par le joueur argentin. Et voilà pour ce 51e épisode et le retour de cette série. Testez-vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire. Tout ça est très rapide, ça aide la chaîne. Si vous voulez plancher sur les précédents épisodes, je vous mets la playlist des 50 là-haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez soutenir plus concrètement les vidéos publiées par cette chaîne, vous avez le lien Tipeee dans la description. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.